Bonjour, dites les gars, je suis en train de vous donner toute une bibliothèque aujourd'hui, vous savez? Bon, je commence quand même à vous expliquer un certain nombre de choses. Bon, nous sommes sur Hashtag Partage, c'est le magazine sous forme de vidéo sous forme de magazine. Bon, ça, on le sait. Et puis, nous avons un titre qui ne dit pas beaucoup plus long que ça, parce que c'est le père du mindset moderne, normalement du développement personnel, c'est lui. Et lui, il s'appelle Dale Carnegie. C'est un très grand homme. C'est lui qui a inauguré cette histoire de développement personnel. Et il a tout fait, il est excellent. J'ai lu un de ses livres, vous allez le découvrir ici. Bien entendu, en appuyant sur là où il y a la flèche, vous voyez, main ouverte, main index, avec l'index. Et partout où il y a cette flèche, il y a un lien qui va vous rediriger vers quoi? Vers 6 grand livre audible à écouter, c'est-à-dire vous allez appuyer et vous allez écouter le livre entièrement de A à Z, de la première à la dernière page de Dale Carnegie. Bien entendu, le père du mindset moderne, il y a son livre et 6 autres grands livres audibles à écouter. Et les 6, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque fois que je mets mon doigt là, bon, c'est un lien. Un lien, un lien, un lien, un lien. Voilà. Et puis, bon, le premier, c'est demander. Et vous recevrez de Esther Jerry Hicks. Et puis, le deuxième, l'effet cumulé, nouvelle version, de Darren Hardy. Le troisième, c'est réfléchissez et devenir riche, bien entendu, de Napoleon Hill. Le quatrième, c'est rompre avec soi-même du docteur Joe Dispenza. Et il y a aussi le livre audible de Idriss Aberkane qui écrit sur libérer votre cerveau. Excellent au demeurant. Là, Idriss Aberkane est très très connu en France, donc il draine énormément. Des millions de gens chaque fois qu'il intervient quelque part. Mais ça, c'est des grands hommes, hein, ça, c'est des grands hommes. La même chose, là, la puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. OK? Donc, je vous donne carrément ici 7 livres audibles. Bah, si vous avez bien entendu, si vous lisez rien que Dale Carnegie, je vous dis pas son titre parce qu'il est pourri le titre du livre, mais à l'intérieur c'est une merveille, vraiment incontournable. C'est le premier qui a posé ses premières pierres pour la première pierre pour construire l'avenir que nous sommes en train de vivre nous maintenant. Ok? Donc, si vous lisez un de ses livres, rien que ça, par exemple le livre de Dale Carnegie, et que vous ça change rien en vous, ben je peux rien faire pour vous. C'est vraiment la catastrophe pour vous. Donc c'est extraordinaire. Bien entendu, si vous arrivez à compléter tout ça avec ça, je vous assure que ça va vous marquer à vie. Et je vous souhaite vraiment que vous changez quand même les mauvaises, les vieilles mauvaises habitudes que vous avez apprises comme ça par accident, d'après l'éducation primitive que vivent la plupart des humains ici. Bon, ok. Donc là, je suis en train de vous donner vraiment un lot extraordinaire. Et c'est des livres audibles, c'est-à-dire que vous appuyez et puis bon, voilà. Alors, moi, je vais quand même le faire pour vous, pour que vous sachiez de quoi je parle. Bon, demandez et vous recevrez Esther Jerry Hicks. Hicks, je sais pas. Je clique.
Lorsque vous savez pertinemment avoir choisi en toute conscience une telle pensée de colère, et que celle-ci vous a apporté un net soulagement, vous avez dorénavant la certitude. Regardez là, il y a 2h31. Voilà, ça va vite pour un livre entier. Ok? Maintenant, je sors de là. Alors ça, c'est mon PDF. Hein. C'est un PDF normalement avec des liens. Et à partir de la même image, vous avez tout devant vous et puis vous allez vous rediriger chaque fois vers un truc. Et le deuxième truc, c'est l'effet cumulé. J'adore ce principe-là. Il est vraiment extraordinaire. Voilà. L'effet cumulé. Choisissez de décupler votre réussite. De Darren Hardy. Traduit de l'anglais par Cynthia Pio, lu par Maxime Van Zandvoort. Pourtant, il était avare d'instructions. Dès le début, papa nous a laissé trouver notre propre voie. Il croyait à la responsabilité de chacun. Je reviens donc à mon PDF. Donc, on va voir le troisième, Réfléchissez, devenez riche, Napoléon Hill. Qui leur a permis de contacter le vaste temple des connaissances enregistrées et classées dans les terres de l'univers. Enquêtant plus avant pour trouver la source de la puissance financière qui se manifeste dans les réalisations des gens d'affaires. Je passe encore. Ils approchaient du nid pour voir comment réagirait la mère. Quand j'ai été à une distance de 3 ou 4 mètres, elle a ébouriffé ses plumes, a étendu une aile sur sa patte. Et... Voilà, j'arrête et je regagne mon PDF. Voilà, nous sommes sur le PDF. Rompre avec soi-même, Dispenza. De la pensée à l'agir, le néocortex traite le savoir, puis il nous incite à vivre ce que nous avons appris. Essentiellement, le néocortex est l'architecte ou le concepteur cérébral. Voilà, j'arrête. Idrissa Berkane. Incapable de reproduire une cognition complète en laboratoire. Et pour cause, le phénomène de la cognition tient en partie à son imprévisibilité. Si vous criez quelque chose à une pierre lancée, sa trajectoire n'en sera pas modifiée. Si vous criez quelque chose à un humain qui court, vous pouvez changer son comportement. Ça, c'est un résultat de la cognition. Pour le reste, je passe. On manipule plus en une heure que le monde académique en 10 ans. Ce dont nous manquons, c'est de conscience, de recul, de concepts, d'idées, de rêves, de raison d'être, toutes choses encore inaccessibles aux machines auxquelles on a voulu réduire l'humain. Extraire et manipuler de la donnée, ça, un ordinateur... Ah. J'arrête. Voilà mon PDF. Donc la puissance de la pensée positive. La chance de succès professionnel était nettement au-dessus de la moyenne. Malgré ses atouts, c'était les échecs qui semblaient le mieux lui réussir. Tout ce qu'il entreprenait tournait mal. Il travaillait dur pourtant. Aujourd'hui, par contre, sa situation a complètement changé. Il a trouvé la solution simple, mais particulièrement efficace. Voilà. Mon PDF encore. Bon, on avait vu tout ça. Maintenant, on va voir Dale Carnegie. Dale Carnegie. Comment se faire des amis et influencer les autres. Vous avez vu le titre, il est vraiment pourri. Jean-Louis Morgan, une narration de Jean Leclerc. C'est Sophie Stanquet qui vous parle. Je passe. Qu'apprend tout politicien en devenir est de pouvoir se souvenir du nom de ceux qui vont voter pour lui. Oublier leur nom revient à tomber dans l'oubli. La capacité de se souvenir des noms des personnes est presque aussi importante dans les affaires et dans les contrats sociaux qu'en politique. Napoléon III, le neveu du grand Napoléon, se vantait de pouvoir se souvenir de tous les noms des gens qu'il rencontrait malgré ses nombreuses obligations. Je passe. Bien entendu, ici, nous avons vu Dale Carnegie, nous avons vu les 6 autres auteurs, et puis il vous reste une flèche à consulter. Ça, c'est moi. C'est qui vous... présente ça, ça ne m'appartient pas, mais j'organise quand même ça pour vous le donner gratuitement.
Et puis, si vous voulez savoir ce que je sais faire, ce que j'ai fait, enfin, toute ma bibliothèque, elle est là. Je vais cliquer pour que vous allez être redirigé directement dans ma chaîne YouTube côté vidéo. Ok? Bon, je suis dans les vidéos, là. Malheureusement, je ne peux pas tout montrer. Je vais déplacer mon truc là. Ça va montrer seulement un petit bout. Mais là, il y a toutes mes vidéos là. Toutes mes vidéos sont là. Vous voyez? Ça, c'est... Il y a énormément de belles vidéos là, qui montrent tout le monde. Les plus célèbres personnages hommes publics qui existent, ils sont là. Vous connaissez celui-là, il est extraordinaire. À tout le monde, à vrai dire. Hein. Tammy Cabbage, Jean Rivière, Dylan May, Tammy Cabbage. Et puis Omid Denzel, ça c'est Elie, Théophile Elie, etc., etc. Voilà. Voilà. Ça c'est moi. Bien entendu, bon, si vous voulez regarder ce que j'ai fait, vous allez trouver énormément de contenus qui vont du tuto du simple tuto au développement personnel, avec bien entendu des offres, des tutos 151 vidéos à voir. Il y a des trucs invraisemblables par rapport aux autres, je vous assure que il n'y a pas de comparaison à faire. Il y a des trucs basés sur ma propre expérience dans la création des logos, etc. Bien entendu, hop, alors, hop, il est coincé, quoi. Hop, voilà. Là, il y a ici 200 idées et trucs et astuces à exploiter. Quoi encore? Là, c'est une grande formation offerte par Yoni Denzel. Quoi encore? Là, il y a 15 formations en une, ici, et etc., etc., 10 formations, on parle ici de l'expérience sur le mindset de Michael Jackson, ici une grande formation offerte, donc vous avez énormément de choses à apprendre. Il y a ici, attendez, il y a 1304 tutos gratuits. Ben, si vous avez du temps, c'est pas vraiment, on a l'impression d'être dans YouTube. Hein. Ok, alors je continue. Il y a 29 hacks pour réussir sur YouTube. Vraiment, vous allez voir encore, c'est de la folie, c'est de la folie. Là, pour les gens qui s'intéressent à TikTok, il y a 10 363 vidéos TikTok. Vous n'aurez jamais le temps de voir rien que ça. Bon, c'est une vidéo qui va présenter ça, mais il y a un PDF que vous allez ouvrir ou télécharger chez vous, et il y a là-dedans 10 300. Ben, c'est ça la force de l'approche que je viens d'exploiter en ce moment. C'est extraordinaire. Voilà. Donc vous avez, je résume, vous avez la plateforme, c'est hashtag partage. L'auteur, celui qui distribue tout ça, qui aide tout le monde, que ce soit les professionnels ou les apprentis. Il y a ma chaîne, et puis il y a un livre de Carnegie, je vous assure, c'est un très grand livre. Et puis il y a six autres livres aussi importants les uns que les autres, donc
À vous de jouer, et j'espère que vous allez quand même tirer beaucoup d'enseignements à partir de ça. Ok? Allez, merci et